Ce que vous voyez derrière vous, c'est un des morceaux du futur sonnerie centrale d'ITER. Alors le sonnerie centrale, ça va être l'assemblage de 6 éléments comme celui que vous voyez derrière moi. On va les assembler, c'est-à-dire les superposer les uns sur les autres en 6 modules. Et une fois qu'il sera assemblé, avec toutes les structures qui vont permettre de tenir les efforts, on va être avec un objet qui va faire 4 mètres de diamètre, 18 mètres de haut et peser jusqu'à 1000 tonnes. Ce sonnerie centrale, son but, c'est de, in fine, de transférer de l'énergie dans le plasma qui sera au cœur de la machine d'ITER, afin de générer un courant dans le plasma de 15 millions d'ampères. Pourquoi créer un courant aussi élevé? C'est tout simplement pour chauffer le plasma, obtenir des températures très élevées, on parle de températures même au-dessus des températures solaires, afin de produire ces fameuses réactions de fusion qui vont nous permettre de produire de l'énergie.